Ne touchez pas l'équipement, ne touchez pas l'équipement, on fait l'intro d'abord. Trop tard. Attends, est-ce que j'ai le Covid ou pas? Tu peux me mettre ça sur mon... Vas-y, je regarde. Vas-y, bouge Vas-y, pas. Vas-y, attends, je me... T'es à 8 degrés, c'est chaud là quand même. Ouais. T'es morte, je pense. Oh, ça va être long. Ouais. T'es morte, je crois, à 8 degrés. Attends, bouge pas, hein. Ne bouge pas, vas-y, penche-toi en avant. Ouais, bouge pas, hein. Ah! Oh, on est où? Ah, on est sur du 15 degrés. Ah, c'est mieux, là. Ah, c'est mieux. Bon. Les crocs. Je suis au BDR. Quoi, t'as pas mon twerk ? Je suis au BDR, putain. Guillaume ? Oui. Bah attends. Nom de Zeus, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Phasmophobia. On va. Naruto Run. Avec. La team. Team. Dissipé. Sipé. Donc, bienvenue. Oh, c'est pas cool. Bonjour. Bonjour Annick. Donc bonjour à Lolo, alias Lorraine, alias Chris. Salut Lorraine. On dit bonjour à Chris, on dit bonjour à Rockman. Salut Rockman. Salut Rockman. L'équipe. Salut. C'est moi. Donc le principe ça va être de c'est quand on chasse la biche, chasser les fantômes, retrouver la trace du fantôme et de le chasser. Non, on chasse pas, Non, on le chasse pas, non. On le chasse pas, non. Il faut juste qu'on détecte ce que c'est et qu'on ait quelques missions, voilà. Je sais ce que ça fait. Voilà. Donc ça, pour ça, on a différents outils, thermomètre, crucifix, appareil photo, etc. Bon, bah, et il faut qu'on détecte, quel fantôme c'est. Dans quelle pièce est le fantôme, la présence du fantôme, tout ça. Et... Ah oui, il perd pas de temps, Rémi, il est bien parti. Ah d'accord, ok, bon, on y va, let's go. Est-ce qu'on m'entend à la radio, là? Oui, très bien. 5 sur 5, Rémi, t'es parti à la cave? Ouais. Ok, je vais checker le garage. Bon, nous on reste là pour l'instant. Nous on reste là, on est là. Mais je fais aucun effort, je suis en train de prendre les touches tranquille. D'accord. Hop, voilà. Oh putain. Oh là là, ça va faire un petit vlog là. Attends. T'as trouvé le disjoncteur, Amy? Ouais, ouais. Allez, on y va. J'ai pas peur. Vlog avec Georgia, épisode 1. Vlog avec Georgia, épisode 1. On perd pas de temps, on a trouvé la planche. Maintenant que vous arrivez. Oui. Oh non. On sait où est le fantôme, c'est bon. C'est bon, allez, venez. Oh, t'as coupé une planche à sauciflard ou quoi, tu tiens? Bah bien sûr, on va se couper le saucisson dessus, attends, je me l'installe là, regarde. Les gars, rapportez-moi ma bière, s'il vous plaît. Guillaume. Oui, t'es où? Tu veux du saucisson? Ouais. Allez, vas-y, coupe-moi une tranche. T'en veux, Lorraine? Allez. Attends, je vais filmer, c'est bon moment en famille. Attends, sympa cet endroit pour un pique-nique, non? Moi, je prends une photo, les gars, je prends une photo, vas-y. Bon moment en famille. Non. Alors non, garde les photos. Bon. Je vais à l'étage. Les gars, j'ai trouvé une scie dans le garage, c'est important ou pas? Ta gueule. Les gars, j'ai pas de reflet dans le miroir. Je crois que t'es mort, mec. Bon, bah on a trouvé le fantôme, c'est Chris. Ouh. En fait d'être tout seul, là en gros on va mettre tous les objets qui vont permettre d'identifier les fantômes. Donc, du coup on va mettre des livres, on va faire un coup de spirit box pour voir si elle nous répond. Et c'est grâce à tout ça qu'on va réussir à identifier quel fantôme on a à faire. Voir si on a des parties. Lorraine toute seule dans la maison. Bah je suis avec Georgia. Oh putain, activité 5, cache-toi. Mais non, tu risques rien, t'inquiète. Je suis un bâtard. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Réponds aux gens qui sont seuls. Répondez-moi. Répondez-moi. Répondez-moi tout seul. Alors, je voudrais pas être désagréable, mais ça, c'est le harcèlement. Le harcèlement de ouf. Et Georgia, elle aime pas le harcèlement. En plus, je vais piquer sa brosse à dents à Georgia. Attendez, non, non, c'est Lorraine. C'est Noral B, c'est Noral B, c'est une nouvelle. C'est Lorraine qui va faire. Je passe avec la radio, peut-être, je viens de l'invoquer, mais elle me répond pas. Georgia, je comprends que tu t'es fait larguer il y a une semaine, que là je viens de te voler ta brosse à dents. Mais si tu veux, moi, j'ai des amis, et ils ont super beaucoup. Est-ce que tu peux aller dans la salle de bain et dans le noir et regarder un petit peu sans bouger? EMF à 3.
Oh les gars, c'est pas cool de faire des bruits de monstres là, c'est pas cool. Ok, Guillaume, est-ce que tu peux aller dans la salle de bain? Faites gaffe, ça apparaît. Faites gaffe, elle apparaît, il y a des glitches sur la caméra. Éteins la lumière et mets-toi dans le noir, s'il te plaît, dans la caméra. Bah non, en fait. Oh les gars, c'est pas cool. EMF 5, les gars, EMF 5. Ah, il y a le projecteur DOTS. Ok, projecteur DOTS et Spirit Box. Bon, on a tout. Non, on n'a pas eu l'ordre. On a projecteur DOTS et Spirit Box. EMF 5. Voilà, donc c'est un spectre. Voilà, un spectre. Faut qu'on trouve l'os avant de partir, on a encore des missions à faire. Hein. On sait quel fantôme c'est, maintenant on va essayer d'accomplir les exercices optionnels pour avoir un max de thunes. Guigui, regarde. Je t'ai ramené un cadeau. Oh non, c'est trop mignon. Oh. Par contre, c'est très cringe, mais quand genre près de soi comme ça. Après, en vrai, il est il est plus mignon là. 5 fois le corona. C'est tout. Et maintenant, il a l'hépatite B, mais il est gentil. D'accord, il va rester là. C'est toi, Rémi? Ah, elle a marché dans mon sel, tu sais. C'est un spectre, normalement, non? Oui, c'est un spectre. Ah, il y a en fait, il marche de... il laisse pas d'empreinte, c'est ça le truc. Tiens. Oh putain, photo, elle est là, elle est là, photo. C'est ça le truc. Tiens. Qu'est-ce qu'il s'est mis dans le placard qui a fermé la porte quand on a son cul? Vas-y, pose-lui des questions, Lorraine. Et demande quel âge il a, etc. Elle va te répondre. Vas-y. C'est le temps. T'inquiète. Pourquoi vous êtes dehors, genre? Oh, rentre pas. Les objets ont été. Ouais. Elle te répond? Oh putain. Ah, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est vraiment pas drôle, hein, les gars. C'est vraiment pas drôle. Hein. C'est pas cool, les gars. Je vais remettre l'électricité. Oh, les gars, c'est pas cool. Franchement. Non, on va faire deux fois dans la maison, les gars, c'est pas cool. C'est pas cool. Moi, j'aime bien superviser de l'extérieur. Au moins, ça montre que je suis une flippette. J'avoue, j'ai peur. Que je pourrais crier à n'importe quel moment et. Coucou. Ah, bah, vous l'avez vu en direct, voilà, elle attaque. Je suis sorti au bon moment. On change de cadre. Oh putain. Passer la cam de qui? Oh putain, même chien. Ils vont tous se planquer dans les... dans les placards. Oh putain, même chien dessus. J'ai vu le fantôme arriver, je me suis mis tout en direct. En même temps, s'il écrit comme oh ça. Non. Lorraine, elle est dead. Photo. Et c'est le décès du joueur français. Et c'est le décès de Lorraine devant nous, en direct. Ah, j'ai tout vu aussi. Mais dans le camion. T'es vraiment un trouillard, Guillaume. Hein? Quoi? Non, mais. Flashback. J'avoue, j'ai peur. End of flashback. Je remontais de la cam et j'ai vu une silhouette se détacher de la porte et venir vers nous en fantôme, tu vois. J'ai fait demi-tour direct et j'ai entendu Lorraine hurler et mourir. C'est comme ça que tu donnes du spectacle à tes viewers, en laissant faire les autres. Bravo. Bah on a fini, hein. Il y avait du spectacle merde. Parler. Oh la pauvre quoi. Ah t'as vu ça par ici toi? Bah oui. Ça avec la caméra. Oui. D'accord. Non mais le pire c'est que vraiment, à ce moment, je l'ai vu ici. Non. Je l'ai vu dans le couloir. Je l'ai vu là. J'ai fait oh, elle arrive. Je l'ai vu passer dans le couloir. Ah oui d'accord. Ah oui. Mais elle arrive. Et du coup après j'ai cherché la POV, tu vois, j'ai cherché ça, je fais... Et du coup j'ai vu la mort ouais. En direct aussi. Lorraine, est-ce que tu nous entends? Appuie sur J, va dans entité, preuve pardon, et entoure le spectre. On y va. Let's go. C'est une enquête rondement menée. Ah, j'ai pas réussi à dégager la peluche. Merde. Spectre, bien joué. Bien joué. Ah, on a pas pris la photo de... Vous avez pris la photo de Lorraine morte?
Si, si, j'ai pris la Lorraine, bien sûr. Mais pourquoi il y a 0% d'assurance? La Lorraine. 0$ d'assurance. Parce que c'est pas toi qui est mort. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai. Ou la bouche? Ou la bouche, Guillaume? Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est... Ah. Oh, c'est blanc, hein. Ah oui? Ah là, oui. C'est mes dents, ça, non? Oui, c'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, petit résumé de ce qui vient de se passer. Non, on a vu, alors, on était là. Non, mais je vais vous dire ce que vous voyez pas actuellement. Bah, ça sent très fort la merde dans mon slip, voilà. Non, mais clairement, j'ai... voilà. Donc, mes deux compères qui étaient en bas et qui ont fortement rigolé de mon décès, vous trouvez ça marrant? En fait, ce qui me fait rire, c'est que... Ouais, alors moi, je trouve ça très drôle, il faut pas que tu roules comme ça, sinon toi, le fantôme, il va te sauter dessus. Encore toi, là, toi. Toi, que tu ne viennes pas, que tu sois dans ton petit camion, c'est une chose. Et toi, là. Toi. Et toi, là. Ouais, excuse-toi, ouais, à genoux, ouais. Ah non, je m'excuse pas, non. C'est pas gentil. Ouais. Le fantôme, t'as il pas te fait demi-tour assez vite, t'as hurlé, donc forcément t'es baisé, quoi. Faut pas hurler. Ah d'accord. Bah oui. Faut pas crier. Non mais excusez, non mais lol en fait. Dit-il alors qu'il est dans le camion planqué. Grave. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part crier?